Bon, avez-vous eu le briefing pour la pub de Marie? Ouais, on regarde ça. Ben, imagine-toi écrire une campagne de pub pour du pot. Ben, c'est rendu un produit pharmaceutique. Je sais bien, j'en reviens pas. T'avais une idée à matin, dis-la donc, André. Ah, non, laisse donc faire. Ouais, on t'a trouvé ça super marche, bonne. On n'aura même pas les droits. Ben, dis quand même. Ah. Ouais, ouais, donc, hein. Ring, 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 vous en voulez-vous? Du pot, c'est du bon, checkez-vous. Ah, non, ça marchera jamais, ça. Je le sais, ça, je voulais pas changer. Il va y avoir toutes sortes de produits dérivés. On va devoir des biscuits à base de marijuana. Ouais, il y a toutes sortes de la guimauve ou du chocolat. Ouais, ils vont appeler ça des wee pot. Bon, on commence à brainstormer. Ben, dans le temps, quand on fumait un joint, c'était pour être agréable. Aujourd'hui, c'est thérapeutique, donc c'est utile. On pourrait dire joint l'utile à l'agréable. Trop intellectuel. J'ai passé une pub pour la télé. Ah ouais, donc. C'est une femme qui trompe son conjoint avec un autre. Pis... Ça commence bien. Là, son époux rentre dans la chambre avec un joint dans la bouche, puis elle dit ciel, ma Marie. Je peux la retravailler. Non, on retravaille la peau. Les gars, on brainstorm là. Muslix, ils veulent faire une nouvelle céréale pour faire concurrence à All Brand. Là. Ouais. Ça va être une céréale pour faire chier. Ouais, ouais, on va s'appeler Muslax. Ouais, okay. Vous commencez à travailler là-dessus bien vite, pas avant demain. Ouais. Ah, puis Robert. Oui. C'est toi qui as booké cette annonce-là dans le journal. Oui. C'est écrit le nouveau livre de Christian Tétrault est en magasin. Tâche de pas te tromper, puis t'as affaire à te grouiller le péteux. Oui. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas, c'est l'éditeur qui voulait que j'écrive ça. Mais il a dit achète une page dans le journal, faut que ça soit écrit le nouveau livre de Christian Tétrault est en magasin. Tâche de pas te tromper, puis t'as affaire à te grouiller le péteux. C'est bien drôle ça. Bien. Il vient de m'appeler, là, il m'a dit là, tu vas acheter une autre page dans le journal. Tu vas écrire le nouveau livre de Christian Tétrault est en magasin, puis ce coup-ci, t'as affaire à pas te tromper, mon tabarnak. Ben, écris ça, c'est ça qu'il veut que t'écrives. Ben, le client a toujours raison. OK, de même. Ben, c'est quoi, t'es rendu? Bon. Agence de pub des grands esprits, bonjour. Bonjour, ici, c'est le bureau de Jean Charest. Bonjour. Monsieur Charest aimerait parler avec vous. Êtes-vous disponible? Oui, oui. Un moment, je vous prie. Eh ben. Oui, bonjour. Oui, monsieur Charest. Je vous appelle de mon bureau. Oui, je viens de parler. Ah, parfait. Il est rendu à avec un bureau. Je voudrais profiter du train qui passe, comme on dit. Il y a un candidat péquiste là, qui vient d'avouer ses écarts de jeunesse. Ouais. Alors, j'aurais une chance de me faire une petite campagne de popularité. Oh, je veux pas vous faire de peine, là, mais ouais. Pour que vous regagniez de la popularité, lui, il aurait fallu qu'il fasse pire que des écarts. Là. Mais... Je pense qu'il aurait fallu qu'il fasse des 20 et 25 au moins. Mon Dieu, c'est-à-dire. Tu sais, peut-être que si tous les candidats péquistes avouaient avoir sucé Gilles Proulx dans l'appartement de Carla Molka, ben encore que faudrait ça... que vous baissiez les impôts. Mais là, je suis tanné. Comment vais-je faire pour reprendre le dessus? Voulez-vous bien me dire? Je vais juste prendre une pomme de salade, la mettre sur le comptoir, puis après ça, vous la reprenez, vous allez pouvoir dire je reprends le dessus. Hein? Laitue. Hein? Je reprends laitue. C'est drôle, on dirait que ça ne me satisfait pas comme solution. Bon, écoutez, on va prendre ça en main. Est-ce que va... je pourrais passer à vos bureaux pour faire du storming? Ah oui, oui, faut venir faire du brainstorming. Comment vous avez dit? Du brainstorming. C'est quoi ça, brain? 2 minutes. Les 2 minutes du